Thank you.
nationale ne viendra pas de l'obligation vaccinale. La révolte sociale viendra du manque de liberté et que les Français tombent sur le marché de la précarité. La révolte sociale doit avoir lieu aujourd'hui pour mettre fin à ce gouvernement qui préfère détruire la vie des Français que de s'occuper de leur santé. Liberté! Pourquoi avoir mis autant de temps à vous positionner? Non, j'ai pas mis autant de temps, vous savez. En tout cas, non, on vous a pas entendu. Ah ben oui, mais on vous entend pas, mais c'est pas grave. Hein, tu vois, il y a des moments où moi j'ai choisi d'aller dans les médias quand j'ai vraiment quelque chose de fort à dire et pas d'y passer mon temps. Donc voilà. Simplement, ce que je peux te dire, moi, je suis pour la liberté vaccinale. Je l'ai dit depuis le début. Je te prends l'exemple de quelque chose qui s'est passé à l'hôpital de Bordeaux. L'hôpital de Bordeaux, aujourd'hui, il y a 100% des personnes qui sont vaccinées. Et pourtant, il n'y a eu aucun acte d'autorité. Il y a une chercheuse qui s'appelle Linda Cambon qui a décidé d'avoir le dialogue avec tout le personnel, infirmiers, les uns, pour demander quelles étaient les difficultés qu'ils avaient et tout ça. Et moi, je suis opposé à l'obligation. Maintenant, si à un moment, il y a la question de l'obligation, je pense qu'il ne faut pas la prendre par tranche. Il ne faut pas qu'on commence à dire obligation pour les soignants. Qu'après, on va avoir une question obligation pour les enseignants. Qu'après, on va avoir une question obligation pour les routiers. Qu'après, on va avoir. Nous, sans les privés de travail. Pardon ? On fait quoi, nous, demain, sans les privés de travail ? On a des enfants, on a des loyers. Mais je peux dire. On a fait ce que vous faites. Cette manière de faire sur moi. Non, on ne peut pas faire grand-chose. On peut pas vous la raconter. L'Assemblée, le Parlement, c'est une chambre d'enregistrement des désirs. Macron, on ne démissionnera pas. Macron, on sera encore là le 15 septembre avec ou sans vaccin. C'est de la soumission. Se vacciner, c'est de la soumission. C'est des libertés qui sont en cause. Oui, mais alors, qu'est-ce que je veux pas. Ce que je veux, ce qui m'énerve, c'est que quand vous êtes sur les médias, vous dites, vous faites la promotion de la thérapie génique. Alors que c'est de la merde, ça ne marche pas pour les variants. Je suis pas d'accord là-dessus, voilà. Mais c'est pas grave. Moi, je n'en fais pas un remède miracle. Je pense que c'est un bon outil dans mais la parler des traitements, il n'y a pas que la droite qui a le droit de parler de traitements, que les professeurs. Parler d'hyverpitine, parler d'hydroxy, parler des antibiotiques.
ça marche aussi bien que la thérapie hygiénique. Simplement, moi, mais on peut pas être. Moi, je veux pas subir une expérimentation. C'est encore expérimental quand on j'ai des enfants, je veux pas qu'ils fassent subir cette expérimentation. C'est ton droit. Et c'est ton droit. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus mon droit parce que je suis viré si je suis soignant. Parce que je suis pompier, je vais être viré. C'est ton droit et je viens le défendre. Je suis contrôleur SNCF, je suis viré. Oui, je sais, mais t'es contrôleur SNCF. Non, je suis SNCF, je suis pas contrôleur. Mais j'ai des copains qui me disent comment faire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je te dis qu'on a déposé des amendements pour les contrôleurs SNCF, qu'on a déposé des amendements pour les hôtesses de l'air, qu'on a déposé des amendements pour les pompiers. Mais soyez offensifs, organisez les manifs pour la liberté, ne la laissez pas aux autres, la liberté. Elle appartient à tout le monde. J'ai demandé à ce que ça se fasse. Maintenant, voilà. Tu sais, les manifs. Bravo, les manifs, vous êtes un terreur à l'avoir fait. Moi, les mouvements de masse, on ne claque pas des doigts. Non, mais il y avait quand même 1 million de personnes. Et heureusement que tu as appelé camarade Ruffin, parce qu'il y en a qui n'ont rien fait à gauche par rapport aux libertés, à la liberté. Article 16 de la Constitution. Code de Nuremberg, il y a au moins 10 textes internationaux qui ne m'imposent pas cette thérapie génique tant qu'elle est expérimentale. Je ne suis pas un anti-vax, ça. D'accord. Moi j'ai mon tétanos et tout ça. D'accord. Mais quand c'est expérimental, on ne voit pas. C'est du jamais vu dans l'histoire. Que les choses soient claires parce que je ne veux pas que. Et il y a la retraite derrière. Intégralement. Il y a la retraite, il y a l'assurance chômage. Et ça, je sais que tu seras combatif là-dessus. Qu'est-ce que je fais, moi, une fois qu'on me. Comment on fait pour les soignants qui vont être virés? Quoi. Ils vont nous bloquer aussi l'arrêt maladie, c'est pas. Enfin, c'est au ministre de la Santé qu'il faut poser cette question. Moi, je peux vous dire ce que je fais, c'est que je souhaite que ça se passe pas par l'obligation, et que ça se passe par la discussion et pas du tout par l'obligation. Mais aujourd'hui, on n'est pas allé du tout. On n'a pas du tout effectué. Il y a eu un travail de communication qui a été fait, il n'y a pas du tout un travail de conviction qui a été fait. Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est à la place d'approfondir le dialogue avec les gens qui sont réticents à ça, ils sont en train de creuser un divorce. Et ça me paraît. Moi, j'ai mon neveu, il a eu 2 AVC, ses grands-parents. Ma voisine a eu une morphine. Il y a des tas d'effets secondaires qu'on n'a jamais vu avec des vaccins classiques. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être pour. Et Big Pharma, c'est la première mafia du monde. Par exemple, c'est la première mafia. Vous êtes anticapitaliste ou pas? Oui, mais j'ai eu un cas. J'ai eu un cas. Et voilà. Chez Big Pharma, donc tu vois. Voilà. Quand il dit non, rassurez-vous, la vaccination ne sera jamais obligatoire. Et qui en 10 minutes à la télévision, claque des doigts, change d'avis, et nous dit va falloir vous mettre au pas, et tous les 48 heures vous serez contrôlé ou alors vous devez vous vacciner. C'est une manière de faire qui opère un divorce avec les gens. Moi je ne veux pas ce divorce. Je pense qu'il y a la possibilité de discuter et de trouver des chemins pour sortir de ces emmerdements du Covid. Et que il n'y a pas un remède miracle qui est le vaccin, il n'y a rien d'autre. Il y a plein d'autres choses qui peuvent exister. Et donc voilà, moi je suis pour qu'on dise non franchement à ce pass sanitaire qui n'a rien de sanitaire, qui est surtout un pass autoritaire, et qu'on trouve d'autres chemins qui existent. Tu vois, moi mon grand truc c'est de dire aujourd'hui la France est le pays le plus mal classé d'Europe de l'Ouest sur la vaccination des personnes les plus à risque, c'est-à-dire des diabétiques, c'est-à-dire des obèses, c'est-à-dire surtout des personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas les chercher. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un site internet et à la place d'aller chercher les gens qui en ont le plus besoin, on arrose tous azimuts et on demande à tout le monde de se vacciner. Alors que ce n'est pas le cœur du génique. J'ai dit et je le redis que c'est une monarchie absolue renouvelable tous les 5 ans. C'est Louis XIV, sauf que c'est Louis XIV, tous les 5 ans, il y a un vote à faire. Bon, et voilà, le vote c'est l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, il aura une. C'est cynique, un renouvellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et tous les observateurs internationaux nous le voient, c'est qu'on a une hyper concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Et c'est hyper flippant. C'est hyper flippant quand tu lis la presse et qu'on te dit que ses conseillers ne savent pas ce qu'il va décider. Et le président peut nous surprendre. C'est écrit dans la presse. Et, et ça fait faire basculer la vie de millions de personnes, les soignants là, qui sont en train de se demander. Les gens dans la restauration, les hostesses de l'air, moi mon gamin, qu'est-ce que je fais pour mon gamin? Et alors on va pouvoir encore entrer au bistrot ou pas? Est-ce qu'il va falloir montrer ses papiers? On nous fait basculer dans un autre monde par la décision d'un seul homme en haut. Sur le pass sanitaire, sur la liberté, était pertinent, etc. Il a commencé l'intervention en disant « je suis vacciné », que tous les gens de l'entreprise insoumise étaient vaccinés en cours de vaccination, et il a enchaîné en disant « de ce fait, nous devrions être écoutés ». Et donc il a commencé son discours en cautionnant le fait que être vacciné vous donnait à quelque chose de plus raisonnable, et que ça veut dire que si la France insoumise n'avait pas été vaccinée, elle n'aurait pas été écoutée. C'est la caricature de certains. C'est que la caricature du débat est de considérer que sitôt qu'on est contre le pass obligatoire, qu'on est contre des mesures qui vont même entraîner certaines personnes qui vont être licenciées, on serait contre la vaccination. Nous on dit, mais c'est un point de vue,
qui n'est peut-être pas le point de vue de tout le monde. On peut être aussi favorable à la vaccination, mais pas favorable aux mesures de restriction. Mais ce n'est pas les propos qu'il a tenus. Il a dit, de ce fait, nous devrions être écoutés. Et donc il cautionne au début de son discours... T'écoutes pas ce que je te dis. Si, mais c'est vous qui n'écoutez pas. Si, il ne faut pas cautionner la citoyenneté à deux vitesses, vacciné, non vacciné. Voilà, le débat, il n'est pas avec toi. Il est avec... Est-ce que tu as vu la manière dont les médias aujourd'hui veulent caricaturer la discussion? Et donc, regarde, et si vous alignez, vous allez tout le temps aller sur le terrain des médias, vous serez perdant tout le temps. C'est on ne mange pas avec le diable, même avec une grande cuillère. Très bien. Bah écoute, bon courage. Bah vous aussi, c'est vous. Parce qu'il y a un combat qui est mené actuellement dans l'hémicycle contre cette loi, de la même façon que beaucoup de gens qui sont là. On pourrait voter contre cette loi et on est venu apporter un salut amical à l'essentiel des gens qui sont là. Il faut être là, non ? C'est important pour vous d'être là aujourd'hui. Oui, je pense que c'est important dans ce pays. Beaucoup de questions sont posées. De mobilisations ont lieu. Et il y a aussi une bataille qui est d'ordre parlementaire qui se joue pour l'instant. Au début, on verra un peu de choses. Il y a eu des votes là, qui ont commencé. Ça s'est joué à trois voix près. Mais moi, j'ai beaucoup d'amitié pour beaucoup de gens qui sont là, qui étaient au moment des Gilets jaunes. Je connais notamment Jérôme Mondrier, c'est pas le seul. Après, un combat qui est juste. Et en même temps qu'il ne faut pas caricaturer, il y a quelques gens qui veulent provoquer, qui sont dans des. Et là, ils aident le gouvernement, c'est dommage. Parce que il y a un mouvement qui est majoritaire, et vous avez des gens, ils sont 5 ou 6, qui. C'est vraiment les copains aujourd'hui de ce que veut faire le gouvernement. C'est-à-dire donner une image qui n'est pas celle majoritaire. C'est pas grave, hein, mais il fallait être là pour faire ce lien. Vous continuerez à rester là ? À venir au rassemblement ? Ouais, autant. Bah là, mais en même temps, c'est là, actuellement, ça se joue cette piste jusqu'à 3h du matin. J'ai peur qu'il n'y ait plus beaucoup de monde après 3h du matin. Merci beaucoup. Donc, on continue la barrière, c'est un combat d'ensemble. Hein. Bon courage. Dans mon restaurant, je vais vous servir. N'oubliez pas de toujours.